Commençons l'exploration des techniques de rétention. Nous voyons ici le schéma de la mesure par la technique de Hens, dite aussi technique de Büchner. L'échantillon d'abord saturé est placé sur une plaque poreuse, ici en jaune, en équilibre avec une burette remplie d'eau à un niveau zéro de référence. On abaisse le niveau de sortie de l'eau. Une scission est alors créée au niveau de la plaque poreuse et l'échantillon se draine jusqu'à ce qu'il atteigne une nouvelle position d'équilibre. Ici, on voit l'augmentation de la quantité d'eau en bleu foncé. La détermination de la succion est faite par lecture directe sur la burette à l'équilibre, H1. La teneur en eau correspondant à une valeur de potentiel de pression est déterminée soit par le calcul de la variation de volume dans la burette ou encore par comparaison entre la pesée effectuée après l'équilibre pour une valeur de potentiel et la pesée effectuée après séchage final. Il importe de veiller à assurer un bon contact entre l'échantillon et la plaque poreuse. Notez qu'il est bien possible de réaliser la procédure inverse, c'est-à-dire en remontant par palier le niveau de sortie d'eau à partir d'un échantillon non saturé au départ, afin de déterminer la courbe d'humidification. Essayons à présent de dessiner le système de Hens à l'équilibre hydrostatique. Pourriez-vous dessiner les composantes de la charge totale de l'eau grand H, c'est-à-dire petit p, petit h et petit z? Nous avons comme d'habitude la droite de charge gravitationnelle z dont la pente vaut 1 et qui passe par l'origine, 0. Que vaut la charge hydrostatique dans le tube d'eau? Elle est positive sous le niveau 0 et négative au-dessous. Enfin, la charge matricielle H prolonge cette courbe de sorte que la charge totale vaut 0 de bas en haut du système. Comme il n'y a pas de gradient de charge, il n'y a donc pas de flux. On voit donc bien qu'à une hauteur H au-dessus du niveau d'eau de la burette, le potentiel matriciel vaut moins H1. Quelles sont alors les limites de cette méthode? Cette méthode s'applique normalement à la détermination des teneurs en eau correspondant à de faibles succions, notamment 0,3 jusqu'à 8 mètres de charge. La succion minimale est limitée par la cavitation. En effet, si on atteint des charges de plus de 10 mètres, des bulles de gaz peuvent apparaître dues au fait que les forces de cohésion de l'eau ne sont pas suffisantes pour soutenir cette dépression. Une autre limitation est le point d'entrée d'air de la plaque poreuse. En effet, la plaque poreuse est aussi un milieu poreux qui possède une courbe de rétention avec un certain point d'entrée d'air. Quand le potentiel appliqué au système supérieur à la valeur du point d'entrée d'air de la plaque, la teneur en eau diminue, tous les pores de la plaque ne sont plus remplis d'eau et l'air pénètre dans la plaque en provoquant rapidement une chute de sa conductivité et donc une valeur incorrecte de la succion. Une alternative à la méthode de la burette est d'utiliser un substrat poreux fin pour générer l'interface entre une colonne d'eau et les échantillons. On appelle cela la méthode du bac à sable. Typiquement, on utilise un bac rempli d'un mélange de sable et d'argile. Sur celui-ci sont placés des échantillons. Le bas de ce bac est connecté par un système de tuyaux à un réservoir à niveau d'eau constant. En augmentant ou en diminuant le niveau d'eau du réservoir, on applique une succion, soit plus grande ou plus petite, au système. Nous vous invitons à visualiser la vidéo illustrative de la mesure de la courbe de rétention par la méthode de Hens ou encore dite méthode de Büchner.